une donation qu'on espère comme UNICEF va booster énormément les taux de vaccination dans tous les districts sanitaires du pays. Et donc, on espère d'ici SUSPO d'avoir des indicateurs améliorés de l'accès à la vaccination par les enfants, mais aussi pour les femmes qui sont enceintes et les services de soins pour les femmes enceintes. C'est un grand coup de soulagement. Ça fait longtemps qu'on attendait vraiment cette donation. Ça va permettre de rapprocher la population lointaine des services de vaccination. Ça va permettre de renforcer le système de santé de façon globale. Ça va faciliter les supervisions, les transports des médicaments, le transport des vaccins. Ça va transporter les équipes qui font les vaccinations dans les différents villages des 8 régions du Niger.